Salut la team, bienvenue dans cette séance en live. Dans notre séance upper body cardio intensif. Aujourd'hui, on va avoir comme exercice pour notre séance, vous allez avoir besoin d'haltères, de chaises. Premier exercice, épaulé développé. Alors on aura ce type d'exercice avec deux haltères. Ensuite on aura swing, deux niveaux. Au programme. Ensuite, chassez haltères. Vas-y, ensuite. Ensuite, oiseau devant, derrière. Alterné, frontal, latéral. Yeah. Ensuite. Ensuite, Superman. Avant, arrière. Devant, derrière. On aura aussi la planche en rowing. Planche rowing et groupée. Tirage, tirage. Ok, d'autres surprises. Est-ce qu'ils sont chauds, la team? Parfait. Bienvenue à tous dans cette séance. Comment ça va? On espère que vous êtes chauds, on espère que vous êtes motivés ce soir. On a hâte de faire cette séance avec vous. Installez-vous, préparez votre matériel, bouteille d'eau, haltère, objet lourd, mais stable. Il vous en faut deux. Donc prenez-les bien pour commencer cette séance. On va attaquer ensemble. On a le timer, on a tout. On a notre premier bloc, notre deuxième bloc. On est chaud ce soir. Wouh! Allez, c'est parti. Premier bloc, mise en tension progressive. On va venir se préparer, travailler cardio, abdos, haut du corps. C'est une séance comment brûler du gras le plus rapidement possible. C'est parti, on attaque Jumping Jack. Allez, aujourd'hui c'est séance rapide et efficace. Dans une demi-heure, tu auras fait le job. Allez. On enclenche tout de suite la séance. Allez chercher des bouteilles d'eau. Ou des haltères, on va vous donner les variantes. Vous faites en fonction de ce que vous avez. On enregistre cette vidéo-là en live et en plein confinement. Donc, on fait comme on peut. On trouve un objet. Allez, talons fesses. Forcément, plus on a des haltères légers, plus on va augmenter la vitesse des répétitions. Ça va, Justine? Ça va et toi? Bien sûr. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais! Ouais, on vous entend! On sait que vous êtes chaud! Allez, talons aux fesses. On va saisir les haltères. Et c'est parti! On va commencer à venir faire des élévations en Y, devant, gauche et droite. On ouvre bien, on plaque les omoplates, on commence à serrer le ventre. On pense tout de suite à ses points clés. On se concentre. On va valider la séance tous ensemble en live. On va venir se faire cramer. Allez. On va avoir un haut du corps musclé, tonique, des abdos en béton, c'est ça qu'on veut. Et un match de fat cramé avec ce type de séance qui vient d'activer les gros groupes musculaires du haut du corps. C'est efficace pour tout le monde, on va se faire du bien. Ça, c'est parfait okay. Pour booster votre métabolisme. C'est ce qu'on veut. Ok, allez. Quelques curls. On vient ramener avant-bras sur bras. Allez, travaille un peu de biceps. On a commencé à activer le cardio. On commence à réveiller les bras, le buste. Allez, encore tous ensemble. Biceps curl. Vous allez voir, on a des exercices de folie aujourd'hui. On vous a sélectionné les meilleurs. C'est le top du top. Bon, c'est la séance à faire cette semaine. La crème de la crème. Ok, encore. Biceps développé. Et on enchaîne. Curl. Développé au-dessus de la tête. On serre le ventre. On pense tout de suite à son gainage. On maintient le corps est rigide, stable. On prend ses marques. On développe. Encore. Allez. Si vous avez bouteille d'eau, on augmente la vitesse. Allez, c'est bien, tous ensemble. On va venir enlever les commentaires pendant ce premier bloc. Vous inquiétez pas. J'arrive tout de suite. Allez, encore. On en fait 5. 4, 3, 2, 1, on va poser les haltères, on va venir réveiller le bas du dos lombaire. Ici en good morning, on pousse les fesses en arrière, on se redresse, le buste droit, le dos bien droit, courbure lombaire conservée. On se chauffe et d'ailleurs, on élimine aussi les courbatures des séances
un peu plus full body, bas du corps. Ça va la team? On espère que vous allez bien. On espère que vous avez kiffé cette séance. Ça va, il va bien, hein? Ouais, là, les fessiers d'hier. Buste bien, bien droit. Allez, c'est bien. Encore. Allez, un premier bloc de mise en tension progressive. Encore en good morning. Allez, encore 5 ensemble. Et ensuite, on va passer en fente au sol. 4. 3. 2, 1, ok, super, allez, on fente au sol, on vient se placer, de chaque côté, on ramène une jambe et je me relève, allez, encore, planche, une jambe à l'extérieur des mains, pied au niveau des appuis mains, à l'extérieur, je me redresse, excellent, ça va envoyer aujourd'hui, vous allez voir comment brûler du gras, dessiner sa silhouette en un minimum de temps, chaud. Chaud. On va monter la musique après. Hein. Allez, encore. On va rester en fente. La prochaine. On reste en fente. On me redresse. La main gauche. Allez, on descend la main. Et ensuite, on va venir rentrer à l'intérieur de la main. Et on retasse son extension complète. On vient échauffer là tout le corps. Mettre en action, ouvrir les hanches. On est en train aussi de faire ce qu'il faut vis-à-vis des autres séances de la semaine. Ça se complète parfaitement la team, c'est parfait. Ok, allez, encore quelques rotations et on change de côté. Allez, on change. Même chose de l'autre côté, pied au niveau de la main. Je me redresse, allez, une belle ouverture de hanche. Je pose la main, je viens croiser à l'intérieur et rotation. Je sens tout le corps qui commence à rentrer en action. Ça y est, on est un peu plus chaud. Ça commence à bien s'activer. Allez, belle rotation, belle extension. Allez, on sait pourquoi on est là aujourd'hui. On sait pourquoi on enchaîne tout ça, on s'accroche. On se concentre, on oublie sa journée, on met de côté ses pensées, on se concentre sur sa séance. Allez, encore 3, 2, 1. Et on va passer dos au sol tout de suite, on enchaîne les jambes en haut et on met l'eau. Allez. On amène la rotation. On peut soulever un peu le buste. Et tout de suite, les points clés des abdos. Aujourd'hui, c'est buste et abdos en béton. Vous allez voir tout à l'heure, on va surtout travailler en gainage. Ça va être hyper efficace pour le ventre plat. Mais là, on va commencer à se faire cramer un petit peu les tablettes. Aspire le nombril. Rentre le ventre. Serre périnée. Sans les abdos qui se contractent. C'est pas juste un mouvement de jambe. Sans les abdos qui se contractent. Encore. Serre le ventre, serre plus fort. On doit sentir ici, abdominaux profonds. Souffle, plaque le ventre. Ok, on va laisser les jambes en l'air. Jambes en l'air, le bassin serré. On serre le bassin. On ne se serre pas des jambes, mais du ventre pour venir resserrer. Lever les fesses et on décolle les fesses. Jambes tendues. Et on s'accroche. Et allez. Commence à transpirer un peu. Si besoin, en option tout de suite, vous pouvez garder les genoux en perpendiculaire à 90, ici, et monter de manière plus croisée. Plus vous avez les jambes tendues, plus c'est dur. Allez, on s'accroche les warriors, belle séance. On est en train de finir le premier bloc déjà. Fais-moi cramer ce ventre. Serre, souffle, plaque le ventre, relâche pas. Travaille pas avec les jambes, travaille avec le tronc. Le corps, encore. Allez, encore, encore. Encore, allez. Ok, relâche, mon bassin. Allez, bassin en haut. Super. Encore. Bassin en haut, contact fessier. On va repartir, on va se faire cramer, flutter kick. C'est parti. Serre le ventre, une jambe tendue. Et on alterne, serre le ventre, allez tout de suite, abdos en contraction, ouvre un peu les jambes si ça vient, craquer un peu dans le bas du dos, serre le ventre, relâche pas, c'est trop difficile. Option, on garde les genoux à 90, on vient tendre une jambe. Serre, relâche pas, allez, le bas du ventre, encore, allez tous ensemble, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Wouhou! Yes, premier bloc. Ça pique bien déjà. Bravo. Allez, quelques secondes de récupération. On boit le coup. Et on va passer en actif plus explosif. Allez. On va partir sur un circuit. On va enchaîner tous les exercices que Thibaut vous a présentés en début de séance. On va avoir 45 secondes, 50. On va voir au niveau du timing. 45 secondes. On va enchaîner. Alors, ne vous inquiétez pas, s'il y a quelques secondes pour se mettre en place, on trouve son rythme. Vous calez sur nous progressivement. Vous avez besoin d'une chaise et de deux haltères ou deux bouteilles d'eau ou deux objets stables de poids équivalent pour l'entraînement. On sent bien déjà. On sent bien déjà. On sent qu'on est paqué, qu'on est gainé là. Ça y est, on est prêt. Envoyez une grosse séance là. Donc cardio, brûle graisse, pump un peu sur le haut du corps et les abdos. De quoi être efficace, dessiné et harmonieux, surtout booster son métabolisme avec un training musculaire. C'est ça qu'on veut, c'est pour ça qu'on est là. On va enclencher tout de suite la team. Allez. Je lâche rien, je lance le timer. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que t'es prêt, Thibaut? Ouais, je suis chaud. Allez, épaules développées avec un mouvement spécifique. Au lieu de venir le long du corps, on va venir ici un peu en balancier. Mais on vient vraiment fixer ses lombaires et travailler de manière efficace ici, puis développer. Ça va être le premier exercice. Et après, vous nous suivez, vous faites votre maximum. On est prêt. 3, 2, 1. Épaules swing, c'est parti. Allez, tout de suite, contracté. On pense au contract abdos lombaires ou plutôt skin. Sur ta plus grande. Vas-y, passe vers l'avant. Allez, encore. Pense à gainer tout de suite. Grandis-toi. Petit balancier, mais on reste concentré sur les lombaires. Ici, petit balancier pour revenir épaule. Voilà, tendu. Allez. Allez, ensemble. Allez, si on a bouteille d'eau ici, on peut accélérer, hein. Vous allez avoir les bras en fire ce soir, les abdos en feu. Ok, on est en swing de niveau. C'est parti. Allez, devant avec le bassin et on descend en squat pour le deuxième. Devant et le deuxième en squat. Vous allez prendre le coup de main sur cet exercice pour ceux qui le font pour la première fois. Et là, ce qui est important, c'est de venir faire partir le mouvement du bas du corps. C'est le bassin qui vient fessier et arrière de cuisse qui vient de se contracter, lombaire placé. On vient en swing devant. Les bras terminent le mouvement. Un debout, un en squat. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. On en jumping jack. Et on chasse à terre. Chasse à terre. On garde les haltères longs du corps. Celui-là, cardio, reste placé. Grandis-toi, fais des chassés en essayant d'aller le moins possible de mouvement de haut en bas. Essaye de bien chasser, de rester collé au sol. Ça nous ramène un peu le bas du corps de la séance d'hier. Serre bien le ventre encore. Bien dans les mains, pas sur les épaules. On va enchaîner dans 5 secondes par dips. Ok, top, c'est parti. Mais si je vous rappelle, plus les jambes sont rapprochées, plus c'est facile. On a 45 secondes à tenir. Accrochez-vous. T'es chaud, Thibaut? Ah, je suis chaud là. Il est chaud, on est chaud. Hier, c'était bas du corps sur Instagram. Aujourd'hui, c'est haut du corps, abdos, boule, graisse. On y est, on est dedans. Allez, c'est bien la team. On les veut, ces bras solides. Allez. Lâchez rien. C'est difficile, mais on va la valider. On vous assure qu'en 30 minutes, la séance sera terminée. Ensuite, allez. Justine. Bras, oiseau, devant, derrière. Et redresse. Ici, oiseau au côté. Devant, redresse. Garde le buste droit, pas de dos rond. Surtout, ne travaille pas ici comme ça, dos rond. Il faut descendre le buste, mais rester solide pour être placé. Devant, redresse, contracte. Tes bras, c'est tes coudes qui vont vers
extérieur. C'est les coudes qui amènent la direction du mouvement. Encore. 6 secondes. Et on va passer au sol. Superman, deux en arrière. Alors. Vas-y, reste à côté de moi. Vas-y. C'est parti. Allez, devant, derrière, Superman. Vas-y, Lucille. Allez, encore. Devant et on se grandit. Ouvre la cage, sans la chaîne arrière qui se contracte. Ouais, super. Derrière, devant, viens toucher les mains qui viennent toucher le sol. Ici. Voilà. Et je me grandis encore. Allez, lâche pas encore 10 secondes. Et on va passer en planche rowing. Plus groupé. Il faut vraiment venir recruter le dos. C'est ultra important pour équilibrer le travail et pas se blesser. Rowing en planche. Abdos serrés tout de suite. On vient travailler la planche. On rajoute un tirage sous la poitrine. 1, 2, groupé. 1, 2, groupé. Sans relâcher la contraction des abdos. Accroche. C'est bien. Allez. Allez, encore. Ça qui est bon. C'est bien, c'est bien. On est en train de faire le job. Allez, encore. Ensemble. À ton rythme. Si c'est trop difficile, sur les genoux. Sur les genoux, c'est ce que j'allais dire. Vas-y. On peut rester sur les genoux et faire principalement du tirage. Repasser en planche. Grouper, dégrouper. On met sur les genoux et tirage. Dès qu'on pose plus le mouvement, ici, on est moins sur... On refait. On est sur du musculaire. Allez, on descend. Allez. Pompe. On se redresse. Pivot en T. Pompe, pivot. Yes. Encore. Pompe, hanté. Pivote avec les pieds pour t'aider. Le bassin vers le plafond. Contracte les obliques. On travaille les obliques. On travaille la stabilité, le gainage. Il n'y a rien de mieux. Serre le ventre. Tiens, accroche, tiens-toi. Attends, Thibaut, faut le faire. Vous pouvez également le faire sur les genoux, bien entendu. En transition. Poussez bien sur vos bras, cambrez pas le bas du dos. Et maintenant, planche commando. Planche commando. Et ensuite, on va récupérer à la fin de cet exercice. Alors donne tout. On aura quelques secondes de récup. Allez, choisis un côté. Tu changeras après. Ou alterne. Tu peux également faire l'option genou. Comme moi, si tant au niveau des bras, c'est un peu juste. Accélère. Et si besoin, tu passes sur la plante des pieds. Allez, on dégouline, vas-y. Va chercher le chrono. Lâche-moi. Allez, encore, 10 secondes. Lâche-moi maintenant. Accroche-toi, prends les options si c'est dur. On lâche pas ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Yes. Premier tour. Bravo, on est avec vous. Ça. Allez, c'est bien. Ça réveille le haut du corps, c'est bien, c'est important. L'enchaînement, il est parfait. C'est magnifique. On va s'accrocher. Allez, ensemble. On prend un coup. On ne reparlera pas longtemps, on reste concentré. Il faut garder le cardio élevé. Il faut se donner, accélérer. On peut faire péter le cardio en même temps cette séance. C'est complet. On va reprendre avec développé, développé. Épaulé. Épaulé, développé. Effectivement. C'est développé, développé, ça va mieux. Voilà. Allez. Wouhou. Allez, 4, 3. 2, 1, c'est parti. Allez, on peut fléchir un petit peu. L'essentiel, c'est de rester gainé. On essaie de bien se grandir. Contrôler son mouvement. Ça y est, on a les épaules qui bossent bien là. Ça commence à cramer. Vous allez sentir passer demain, après-demain, ensemble. C'est bien. Encore, allez. On décompose son mouvement, on va chercher la brûlure. Ici, on garde les coudes bien serrés, on ne laisse pas partir ses coudes en avant, c'est cœur biceps sur les épaules. Ok. On a enfoui une haltère. On essaye de bien.
bien descendre en bas. Le double swing, ça vous oblige à bien descendre. Il y a cette bassin qui vous envoie devant. C'est le mouvement balancier qui vous entraîne. C'est bien. Allez, on s'accroche. Voilà, avec une kettlebell, essayez d'avoir vraiment un objet stable. Pas d'attache, vous voyez, c'est dangereux sinon. On s'accroche. Chassez la terre. Ici. Allez, on va se concentrer. Pas juste des sautillements. On accroche. Comme ça. Si c'est dur, vous décomposez toujours les mouvements. Toujours. Ici, tendez les jambes, n'est pas flagada. Pour bien préserver ses genoux. Yes! Allez, on s'accroche. Encore. 10. Tu peux. Lâche pas. Allez. 4. 3, 2, 1, on dips maintenant. On s'accroche. Si c'est dur, tu poses les fesses 5 secondes ou tu rapproches tes jambes. Allez, descends bien en bas. Les fesses en direction du sol. Encore. Allez, encore quelques-unes, tu peux. Si tu as des facilités, tu accélères. Allez, on va passer dans 5 secondes avec oiseau élévation alternée, latérale, frontale. 3, 2, 1. Ici, c'est coude devant. Pas besoin que ça dépasse ton visage. Ici, devant, traverse. Tu veux ce body ou pas? C'est là que ça paye. Ça passe par là, il a raison Thibaut. Allez, ça devient dur, on s'accroche. On va chercher ses limites. Sans dénaturer le mouvement. Allez, sens l'arrière du corps qui se contracte. Ça brûle les épaules. Si c'est dur, tu reviens au moment en croix ici et tu vas chercher l'arrière. Et on décolle le buste, ouvre la cage. Allez, hyper important. On équilibre le travail. Encore. C'est bien. Allez, on va se rattraper encore 5 secondes et on va passer en plancher des bastons rowing. Allez, gauche. Oh pardon, j'ai pris ton cadeau. Ça crame mes épaules. Lâche pas. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Pompe en T. Allez, c'est parti. Et on bascule sur les genoux si besoin. Tu fais le max de reps que toi tu peux. Ah, c'est top, hein. Les expérimenter. Allez-y, plus vite. On accélère en fonction de son niveau. Monte bien le bassin ici, pivote, bassin haut. Et allez, arrache-toi. Encore. Accélère. Plus vite. Allez. Encore, plus vite. On va passer dans 5 secondes. Par planche commando.
3, 2, option sur les genoux si besoin. Donc genoux éloignés, hein, bien sûr. Serre le ventre, relâche pas la contraction abdominale, nombril aspiré, ventre serré tout le long. Tu serres, c'est aussi difficile en abdos que sur le haut du corps. On vient cramer les épaules, on vient cramer les abdos. On s'accroche. Allez, ça brûle, mais ça paye, lâche pas jusqu'au bout. Ensemble. Lâche pas, lâche pas. Allez, choisis ton option. Facile, difficile. Accélère. 4, 3, 2 et 1. Récup. Ça, c'est du combo. C'est bien, c'est bien. Allez, lâche pas. Allez. Ça bosse, on a bientôt fini. Ça sera super efficace. On compte sur vous. On va repartir dans 25 secondes. Il faut tout donner à tous les exercices. Max de rep. Là, vous donnez le reste du jus de citron, du pamplemousse. Tu presses tout le jus que t'as. On réattaque. Thibaut, t'es devant. Vas-y, si tu veux. Allez, on reprend dans 6 secondes. On est ensemble. Allez. Épaulé. C'est parti. Allez, ensemble, on va valider cette séance. Dernière fois à chaque exo. Alors vas-y, accélère. Faut que t'en peux plus après, faut que tu puisses plus tenir ton téléphone. Prépare ta gamelle, tu pourras plus, je t'ai dit. Faut quand même taguer un ami en commentaire qui doit relever la séance. Ah oui, et nous faire une petite story quand même. Va-t'en arriver à lever les points de la finale. Allez. Check. Allez, à la raison Justine, alors t'en peux plus bouger. 4, 3, 2, 1, allez, on finit. Allez, tu vas passer devant. Allez, travail du bassin, ici. En bas, redresse, devant. Tu viens bien swinguer. Au droit, descends bien en bas. Encore. Garde bien le dos droit absolument tout le long. Hein. Pas de dos courbé ici comme ça. Hein. Diminue l'amplitude du mouvement. Allez, encore. On accélère, tu es prêt? Allez. C'est parti. Pas trop vite, tu gardes le balancier. Super. Bravo. Encore. Allez, chasse la terre. On enchaîne. Allez, tout de suite. Allez, fais péter le cardio. Allez, accélère. Encore. C'est bien, encore, encore. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas à leur vitesse max là. On accélère. Allez, on dégouline. Cardio max, si tu veux pas regretter la séance. 30 minutes, c'est efficace. À condition d'être à fond, allez. Encore, encore. 4, 3, 2, 1. Allez, 10. C'est parti. Allez, on travaille l'arrière du bras. On vient tuniquer, on vient augmenter la dépense énergétique. Allez, on va continuer de brûler grâce au musculaire. Derrière cette séance, ça sera efficace. Jusqu'à demain, allez. Encore. Vas-y, lâche les chevaux. Allez. C'est bien, on tient, on tient. On lâche pas. On récupère 2 secondes s'il faut. Et on reprend. Accrochez-vous. 4, 3. 2, 1. On reprend ses haltères. On est en oiseau avant l'air. Prêt Thibaut? Ouais. Allez, sorti. Buste droit. Yes, c'est ça qui est bon. On se fait du bien. On fait le vide, on va chercher ses objectifs. Allez, on est des warriors. Badass, à mort. Ensemble. Donnez-moi à fond.
Il nous reste 4-5 exos. À fond, allez. Il reste beaucoup de temps d'effort. Accélère. Accroche-toi. Buste droit. Fais monter tout ça, allez. Encore. Dans 5 secondes, on passera en Superman au sol. Installez-vous. C'est parti. Allez. Des machines. Ouh. Bravo mon chéri, bravo à vous.